La ville de Porto Novo a été marquée dans la soirée du dimanche 28 mars 2021 par une caravane géante organisée par la Coordination nationale du Bloc républicain de Porto Novo en soutien au duo candidat Talon Talata. Pour le compte de cette activité d'une grande envergure politique, les autorités ministérielles, départementales, municipales et autres cadres du parti du Cheval Cabré se sont joints à la population de la ville aux trois noms pour parcourir les 5 arrondissements de la ville capitale. Pendant plusieurs heures, Porto Novo a vibré à l'effigie du duo phare Talon Talata. Les slogans très favorables au duo étaient à leur paroxysme. Il faut noter que la caravane qui a pris départ du Carrefour Kachi à l'hôtel des ambassadeurs a connu plusieurs stations d'arrêt à travers la ville où le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Rousseau, coordonnateur communal de campagne du BR, a dansé aux côtés des populations pour célébrer les succès incontestables du quinquennat en cours d'une part et d'autre part mobiliser les populations à voter utile le 11 avril, c'est-à-dire pour le duo Talon Talata. L'unanimité qui est faite autour du fait qu'il faille continuer cette dynamique et que ça s'est exprimé de différentes manières tout le long de ce cortège. C'est extraordinaire, c'est historique ce que nous avons vécu aujourd'hui et c'est prometteur. Pour le 11 avril, j'appelle les Porto-Noviens et les Porto-Noviennes. Le 11 avril a sorti massivement, c'est ça le premier message. Deuxièmement, à voter utile, voter pour la continuité de cette dynamique apportée par le président Patrice Talon et particulièrement dans notre ville capitale qui commence à retrouver à trouver plutôt des attributs d'une véritable capitale. Mais c'est également le moment pour moi d'exhorter les Porto-Noviennes et des Porto-Noviennes à tout faire pour que règne la paix, pour que cette ville pacifique continue de l'être, et particulièrement le 11 avril, lors du vote. Surpris de la mobilisation spontanée des populations, en dépit de l'intoxication qui a cours dans le pays, certains barons du Bloc républicain expriment leur joie de voir les militants discerner le bon grain de livret. Ils espèrent une forte mobilisation pour le chaos retentissant au soir du 11 avril. C'est le tout premier jour. Généralement, on est 4 jours avant de rentrer vraiment dans la campagne. Mais on a noté que dès le premier jour, la ville était en ferveur. On a fait tout le tour pratiquement de la ville. On a fait les grands marchés, vous avez vu, toute l'ambiance qu'il y a eu au grand marché de Porto Novo. Malgré tout ce qu'on a eu comme événement, les gens sont contents, les infrastructures, ils sont contents pour l'éclairage et ils nous l'ont montré aujourd'hui. C'est ça. Donc je pense que le reste, c'est le 11 avril et les gens sortent effectivement pour aller voter le 11 avril. Vraiment, nous sommes très contents pour la journée, pour le début de notre arrondissement, dans les 5 arrondissements. Effectivement, nous remercions eux tous et nous remercions le président Monsieur Patrice Satanas Guillaume Talon, pour tout ce qu'il est en train de faire à la jeunesse. Vraiment, un grand merci à eux tous. Et nous appelons tout le monde à voter dans la paix, pas la violence, car nous sommes tous sûrs de l'avenir en France. Une première activité de bonne facture qui augure d'une campagne réussie pour le duo Talon Talata, qui a le vent en poupe au regard des réalisations du quinquennat 2016-2021.